De multiples applications de rencontres naissent au jour le jour, mais une seule fait la différence, Yamo Africa. Yamo Africa, votre application de rencontres 100% africaine et fiable. Sur Yamo Africa, trouvez l'amour dont vous avez tant rêvé. Sunita! Maman! Yes. Prima. C'est toi. Donc tu peux pas te séparer de ton téléphone? Non. Il t'avait accouché avec le téléphone, Sylvie? Non. Sunita, tu veux faire quoi de ta vie? Dis-moi exactement ce que tu veux faire de ta vie. Tu veux devenir quoi dans la vie, si? Maman, je vais être une vlogueuse. Hein? Une vlogueuse. Ça signifie quoi? Une société? Mais vlogueuse, c'est quoi? Maman, tu connais pas les influenceurs? Influenceuses, influenceurs. Non. Ok, laisse-moi t'expliquer. Dans tous les cas, je suis là pour ça. En fait, les vlogueuses sont des personnes qui ont leur mot à dire dans la société. Donc, quand il y a un problème, si par exemple on parle de Coco Emilia ou de Nathalie Kwa, tu vois un peu, je viens sur ma page, je fais un direct et mes followers me suivent. Je parle jusqu'à... J'augmente ma page sur ça. Que ce soit vrai ou pas, ils vont seulement croire. Donc, je fais un japap qui n'a pas de nom, tu comprends un peu. Donc, c'est un peu ça. Et ça te donne quoi? Et à la fin du mois, on te paye. Je dis, tu as quel kilo de parler de Nathalie Kwa et Coco Emilia? Tu as quel kilo? Si on vend notre maison aussi, ça ne peut même pas acheter le téléphone de Coco Emilia, ni de Nathalie Kwa. C'est ton égal. Regarde le genre de téléphone que tu fais ta part de TikTok avec. Tu peux pas chercher un métier que tu peux faire, ma fille. Ma, c'est un métier, non? C'est un métier? Oui. Imagine un peu, tu vois la petite vidéo qu'on a fait hier, là, non? Hein? Oui. J'ai posté ça sur ma page. Si tu imagines le nombre de likes que j'ai eu, les followers, tu vas même pas croire. Tu ne vas même pas croire. On a like, on a mis les cœurs, on a... Je dis qu'on t'a même apprécié jusqu'à... J'ai même cru que tu voulais même... J'ai dit que tu es ma mère, non, ma? Et c'est tout. J'ai pitié de toi, ma fille. J'ai pitié de toi. C'est tout. Donc, tu peux même pas chercher à faire un métier. Seulement l'affaire de blogueuse qui t'intéresse. C'est mon métier, ma. C'est ton métier. Tu vas imiter les Nathalie Kwa, les Aïcha Kamwa, n'est-ce pas? Tu vas les imiter. Tu vas les imiter. Tu n'as même pas un niveau. Tu connais leur rang social? Elles ont de la présence. Elles sont attirantes. Mais toi, tu es quoi? Hey. J'ai pitié de toi. Moi, même le téléphone que Koemia, que tu dis là, elle va avoir ça bientôt. Tu vas voir. Dans ça. Bientôt. Bientôt, ouais. Tu sais que les influenceurs, blogueuses, ils ont la facilité d'avoir des contrats de travail pour être des modèles photo. Pour participer à des... Tu vois un peu, il y a beaucoup de choses, en fait. On signe des contrats, des millions et autres. C'est ça. Donc, tu vois... Fais sûr de toi. Hein. Oui, attends. Je te donne encore l'exemple. Si tu veux, quand il n'est pas dans ma chambre, là, maintenant, il me bande les bras. Je viens, il prend mon téléphone, il lance mon direct.
on va me dire que ouais, tu as eu quoi, Sunita? C'est quoi? Les gens auront pitié, ils vont mettre les likes. J'ai vagement que j'ai fait un accident qui n'a pas de nom. Tu vas voir les likes, les cœurs. Ne te mens pas. C'est ça. J'ai pitié de toi. Ça, je sais que ça donne l'argent, mais j'ai dit, j'ai, va dans la chambre. Tu bandes même ta bouche là. Tu mets dans, ou c'est dans TikTok, ou c'est dans Followers, que tu dis là. Les gens vont te suivre, ils vont te mettre dehors les bisous et les cœurs. Vas-y. Dégage. Moi, tu m'encourages pas. Je t'ai encouragé que continue avec courage. Va te coucher, mets la bande sur ta bouche. Tu veux que tu marches, tu as collé ta bouche. Hey. J'ai pitié de moi-même. Le ventre pousse, on accouche. Maman Choco. Ouais, attends. T'es en train de boire la tasse, Maman Choco. Non, je suis en train de fumer le chanvre. Tu peux me servir aussi une tasse, pardon, ma baisse. Le gaz est fini. Tu es venu faire quoi ici? Maman Choco. C'est toi qui avais raison, oh! Akamba veut me tuer. Maman, oh! Depuis les quelques jours qu'elle est reçue chez moi, là, maman, ma mort veut se m'arriver. Nawanabi Mbanga, Nawanabi Oya, je n'ai rien à foutre. Des gens viennent toquer devant ma porte, maman. Où c'est les fumeurs de chanvre, oh? Où c'est les coupeurs de tête, oh? Maman Choco, laisse-moi dépasser. Là où tu me vois, laisse-moi dépasser! Akamba veut me tuer. C'est pas mon problème. Je ne dors pas la nuit. Un don à toquer. Tu sors, tu vois seulement quelqu'un avec les yeux rouges, les cheveux comme un fou. Ouais, Michel, c'est pas mon problème. C'est ça que tu es venu me dire. S'il te plaît, si c'est ça, tu te lèves, tu pars. J'ai pas besoin de ça. Je ne veux pas. Vous connaissez tout. Laissez-moi tranquille. Ah. Maman Choco, j'ai faim jusqu'à. Je peux prendre le gâteau, les charges, non, s'il te c'est plaît. Pour le boulanger. Quand ça reste comme ça, regarde, le boulanger vient prendre. Je ne partage rien ici. Ouais. Si tu as fini, tu pars, pardon. J'ai déjà appelé les enfants pour qu'ils viennent embarquer ça. Non, moi, ils rentrent chez moi. J'ai la réunion tout à l'heure, là. Je ne veux pas trop bavarder. Vous n'avez rien à faire. Même le foyer, vous n'avez pas toujours crémandé. Vous allez demander même mes yeux si vous voyez avec. Vous ne pouvez pas rester chez vous. Vous êtes belle, non? Madame shit you. Si mon mari pouvait regarder ce qui se passe, ce que ses petites soeurs me font. Isabelle, je souffre ici. Le carrefour, c'est ici. L'aéroport, c'est ici. Vous allez monter de ça, venir me demander pardon un jour. Continuez à m'insulter. Parlez de pauvres comme ça. Vous ne connaissez rien faire. Toujours venir ici me demander les trucs. Allez, te sois pas. Tu es toujours au téléphone. Tu es fatigué, tu as travaillé quoi? Reposer, tu es venu ici te reposer. C'est même quoi ça? Toujours au téléphone. Tu ne sais rien faire de tes toi. Tes tantes sont venues ici, elles ont voulu me tuer. Tu es au téléphone. Depuis qu'elle t'a appelé. Fais vite, moi je pars à la radio, c'est en retard. Tu as même que les habitudes de tante là-même.
Chaque jour, maman Choco. Maman Choco. Fais vite, fais vite. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite, directement.